Agression. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Il va s'agir d'un haul un petit peu spécial puisque aujourd'hui j'ai décidé de tester tous les articles que j'ai achetés en vidéo. C'est parti, bon visionnage. Premier article, il va s'agir d'un mash qui vient de chez Pad, ma jument en raffole de celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, il est très très appétant. Elle a donc le droit à son mash tous les vendredis, et comme vous pouvez voir, je remplis une dosette entière, ce qui fait 2 litres de mash. Et je rajoute une dosette d'eau tiède. Et tout le monde sait qu'on se salit un petit peu les mains quand on fait un mash. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à nos chevaux? Donc ce mash là, c'est de chez Pad, le mash and shred paston, et c'est mon mash préféré. Je vous montre, en fait c'est comme ça à l'intérieur. C'est pour ça que le vendredi c'est son jour préféré, parce que c'est le jour du mash. Donc d'abord je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Pad. Vendredi tout est permis. Donc. Wow. La classe. Ouais. Les flanelles back and track. Ouais. Donc en fait ce sont des flanelles, je vais vous montrer parce que là j'ai d'autres bandes, mais du coup je vais les changer pour mettre ces sous-bandes là à la place. Donc ce sont les sous-bandes back and track, donc c'est la matière Weltex, et en fait c'est la matière que font back and track. Donc je vous donne le prix de chaque article. Donc ça c'est coûté 74 euros. Donc bien évidemment c'est pas donné pour les flanelles, mais c'est parce que justement c'est cette matière qui fait que ce sont des produits chers. Personnellement je suis fan de tous les produits Back on Track. Je suis une grande fan de cette marque, ce sont des produits qui nous proposent toujours de la grande qualité. Et ensuite, deux paires de chaussettes. Oh Vicky chaussettes. En Viquette, c'est Viquette la chaussette, pardon. Un jour, tu raconteras l'anecdote. Un jour, mais pas maintenant. Moi, je n'ai pas le jour. Donc, une paire comme ceci, bleu, blanc, rouge, le petit logo Equitel. Prix 8,99€. Et les deuxièmes, très jolies, avec les petits brillants. Equitel. Parce que c'est trop simplifié. Pause. Regarde, un vrai bébé. Ça va pas partir, c'est ça. Celui-là, tu le dos. Ah, c'est ça. Donc, ça. Chameau. Papa. Et pour finir, j'ai acheté un petit pinceau comme ceci qui m'a coûté 2,29€. Ensuite, j'ai acheté une graisse de chez Enimarine sur leur site internet. Je suis une grande fan de cette graisse à pied, elle est superbe. C'est une graisse blonde, donc que j'utilise plutôt pour la saison estivale. Elle est bien cette graisse, je l'adore, elle est trop bien. Chez Enimarine, j'ai commandé un gros pot d'argile de 2,5 kg puisque je mets de l'argile très régulièrement à ma jument, donc j'avais envie de tester cette marque puisqu'on m'en dit beaucoup de bien. J'ai repris un paquet de friandises Pure Fit Companies puisque ce sont vraiment mes friandises préférées. À chaque fois que j'en ai plus, je reprends un paquet. Ce sont vraiment des friandises très bonnes pour la santé, qui sont faibles en calories, faibles en amidon, il n'y a vraiment que des bonnes choses et que de la fibre.
et surtout ma jument les adore. Je les mets dans ma pochette après deux. Parce que c'est fermé, il n'y a pas des petits insectes qui sont fermés. J'ai ensuite pris un pot de carottes séchées, donc ce sont simplement des chips de carottes, rien d'autre n'est rajouté dedans. Je vais les utiliser pour donner les médicaments à ma jument puisqu'elle est assez difficile. Dans la compote ça ne passe pas, mais là-dedans ça passe bien. Je pense qu'elle va aimer. On va voir ça. Oula, oula, oula. M'étonne. Je t'en fous la moitié à côté. Oh non, putain. La douée. Agression. Je dis à 20 balles le pot, faut que ça dure au moins 10 jours, hein. Même plus. Et ensuite, j'ai pris des petits jouets et des petites friandises pour mon petit chien Harry. Donc pour ceux qui viennent seulement d'arriver sur ma chaîne, je vous mets une petite vidéo. Ça, quoi, naturel, quoi. C'est marqué en français juste au-dessus. Article à mâcher. Des petites escalopes à mâcher pour mon chien. Voilà. Une magie brush pour chien, chien, petit chien dessus. Très mignon le packaging. Parfois, c'est bien présenté, j'adore. Pour que mon chien boive. Pour les balades ou les vacances. En rando. Et ensuite, chez Marshall, j'ai pris la Sweet Oil pour ce lit, pour les petits problèmes de dermite. Donc, je le mets au niveau de la queue et en fait, c'est super... Ah, oui. Ça se met comme ça directement? Oui. D'accord. Pour moi, c'est comme ça que ça marche le mieux. Alors, qu'il y a des... Bon, je pensais pas que ça se mettait comme ça directement. Oui, ça s'égoutte, tu vois. C'est gras, non? C'est gras et du coup, les insectes, ils n'aiment pas. D'accord. Pour finir, j'ai acheté des bandes qui viennent de tomber dans la paille. Oh non, c'est tout seul. Escadron, bande de repos, voilà, pour mettre sur les panels back and track. Après cette vidéo, ce lit a eu une petite séance de laser avec mon vétérinaire, donc ça aide à la cicatrisation, donc je voulais vous mettre quelques images. Et vous pouvez admirer ma belle tête avec ces super lunettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mon Instagram et ma page Facebook Vicky Life. Et sur ce, je te fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Cette scène me dit quelque chose, hein. C'est vraiment, je vais te montrer, mais elle a mal filmé. Avec sa paille là... de partout. Celui-là, tu le dos. Ah, c'est ça. Non. Cercaille, hein, au pied. Solide, là. Pas l'impression de gêner. Bon. Oh, ouais. Voilà. Oh, tu rigoles. Ça te fait rien. Oh, t'en fous partout à côté.